Et salut tout le monde, c'est comme ça, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur Transport Fever pour une petite vidéo que je vais appeler un peu particulière puisque c'est le début d'une nouvelle petite série. Je sais pas trop si je réussirai à la garder parce que j'ai pas réussi jusqu'à la garder beaucoup de mes séries sur donc ce jeu. Série en partie libre, argent régular, je vais mettre en pause avant de perdre de l'argent. En régular, c'est-à-dire pas argent illimité, comme je fais des moments. Et donc, dans cette série, déjà, on est sur une map française, enfin sur une map avec des noms de villes françaises et une map purement française. Donc cette map représente la région, enfin l'ancienne région de Franche-Comté, avec donc des villes de Franche-Comté comme Belfort, Besançon, Dole, là on a, pardon, Lons-le-Saunier, bon Dijon qui est en Bourgogne, mais maintenant c'est la même région, donc c'est pas grave. Et c'est un peu les bords aussi. Donc voilà. Et du coup donc cette série, donc vu qu'on se trouve en France, utilise quasiment exclusivement, à part les, évidemment les trains du transporteur Vanilla, utilise totalement exclusivement du matériel français. Il y a pas mal de matériel français qui est sorti au fil des temps, au fil du temps. Mais par exemple pour les bus, c'est pas des bus de Franche-Comté. Je suis d'accord, c'est des bus parisiens de la RATP. Par contre, on a plein de types de TGV, ce qui va nous permettre de créer des liaisons assez haute vitesse entre les différentes grandes villes. Donc, j'avais déjà regardé un peu. Donc, la ville la plus grande, c'est Belfort, qui est, ma foi, idéalement située, puisqu'on a quand même ici, voilà, Montbéliard à côté. Et donc, on va pouvoir voir déjà en installant une petite, en installant un petit dépôt, j'ai un peu bugué. Eh bien, on va pouvoir voir un peu les véhicules auxquels on a accès, car je ne les connais pas. Nous sommes en 1980. J'ai fait choix de démarrer directement en 1980 pour ne pas, enfin, pour ne pas avoir de problème, en fait, simplement parce que c'est souvent long le début et un peu chiant. Donc, il y a un mode qui me permet de garder tout ce qu'on a débloqué. D'accord, donc on n'a pas de bus spécialisé, enfin voilà, on n'a pas de bus français, on a juste le MAN SL. Il était peut-être utilisé en France, ça j'en sais rien. Mais bon, alors du coup, premièrement, on va commencer tranquillement par se créer enfin je sais pas comment vous expliquer, mais un petit arrêt tranquillement, voilà. Donc je regarde ouais, je pense qu'on va utiliser un peu celui-ci. Mais celui-là en fait il est très stylé. Le problème c'est qu'il jouera dans l'expansion de la ville, parce que je vais pas m'amuser à casser une route exprès pour ça, sachant que quand tu casses une route, tu casses tout le pâté de maison autour. Du coup je vais commencer par créer ce petit terminus, me plaît bien. Donc on va essayer de l'installer à un bout de la ligne qui sera par exemple ici, ça me paraît pas mal. Même si ça bloquera l'expansion de la ville de ce côté-là. À la limite, pour ne pas la bloquer, nous allons hop. Ah c'est vrai que j'ai un rotem. Ouais bah du coup on va faire comme ça plutôt. Donc pour ne pas la bloquer, pardon, on va plutôt faire voilà. Voilà comme ceci, et je vais placer le terminus juste là. Donc il est stylé, pour l'instant il fait un peu vide au milieu, mais on rajoutera quelques arbres juste après. Mais notamment je trouve très stylé notre petit terminus. Du coup, donc on va organiser un peu la ligne, on va prendre des arrêts de bus de tramway normaux. Donc la ligne va partir ici, à la limite on peut la faire se séparer déjà juste là. Donc on va commencer dans ce sens, donc qui arrive là. Du coup on va mettre un petit arrêt ici. Là il va continuer jusque là, on va mettre un arrêt là. Ensuite ici il arrive, il tourne ici pour aller là comme ceci. Ensuite un petit arrêt ici, là. Et puis sur le retour ici et... Non, pardon, ici, là. Là. Et c'est bon. Du coup on va créer notre petite ligne, pardon. Donc oui, ça fait pas mal de temps, du coup ça a pas mal changé. Du coup on fait comme ça, puis après on va là, puis ici, 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 on enchaîne là
et puis après bah on revient, de toute façon le chemin est déjà tout tracé. Voilà, du coup donc on a notre première petite ligne de bus, mais qui ma foi est sympathique. On va l'appeler Belfort à chaque fois, ça c'est dommage mais bon c'est pas grave. Belfort bus 1, parce qu'il y en aura peut-être plusieurs quand la ville s'agrandira. Ce que j'aime bien avec cette ville, c'est qu'elle est quand même assez excentrée, et vu qu'elle est excentrée, ça va juste me permettre de créer des lignes grande vitesse efficaces. Tiens. D'accord, je savais même pas ça. Parce que je découvre pas mal de choses étant donné que oui, ça fait pas mal de temps que je suis pas allé. Comme couleur. Écoutez, on va partir sur un orange. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'orange. Vous avez un problème avec l'orange? Pas, c'est pas de ma faute. Alors. Donc. Voyageur, acheter, on va partir avec, je sais pas, 5, pourquoi ça me m'enlève pas mon argent? Ouais, parce que je crois que j'ai un mode, je crois que j'ai encore le mode de full money. Mais vous inquiétez pas, on va gérer ça juste un peu après. Je veux juste absolument voir ce que ça donne ici, les bus. Oula, construction. Que se passe-t-il? C'est la guerre. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il réduit sa vitesse. Là, il tourne. Donc là, ça tourne assez régulièrement. On va mettre en x3, voilà. Et puis, une fois qu'il arrive ici, est-ce qu'il se rapproche du quai? Non, absolument pas. Bon, de toute façon, c'est pas gênant. Oh, l'avantage, c'est que les bus doubles, je pense qu'ils vont se rapprocher du quai. Bon alors du coup, nous en attendant, on va juste installer quelques petits arbres au milieu comme ça là. Voilà. Ça passe pas, oui parce que oui. La logique de ce jeu est légèrement, quelquefois un peu trop poussée. Mais c'est pas grave, par exemple, vous voyez, ce gros table là prend toute la place. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, donc on a nos 5 bus, c'est ça, je crois, qui sont un peu dispatchés partout, qui créent des beaux embouteillages comme on voulait. Donc, voilà. Donc maintenant, je pense qu'on veut, en fait... Ce que je vais faire, c'est que bon, certes, je suis en argent illimité, mais je vais tricher, je vais profiter de ce petit fait pour créer une première ligne RER. Et moi, je la vois toute tracée, ma ligne. Je la vois toute tracée, ma ligne. Reste à savoir comment je vais réussir à avoir accès à Belfort. Est-ce que je le mette, est-ce que je mettrais pas la gare au niveau de notre terminus là? Ce serait pas une mauvaise idée. Le problème c'est qu'elle est pas très accessible parce que l'arrêt se trouve là et la gare se trouverait ici, ce qui ferait quand même une petite un petit chemin quoi. Du coup, sinon je le fais. La deuxième solution c'est que je la fais ici en débordement. Après il y a Montbéliard. Mais Montbéliard, à la limite, je ferais une gare souterraine. Une gare souterraine, c'est possible. C'est possible parce que j'ai pas mal de modes qui rajoutent donc pas mal de gares. Donc voilà, donc ça c'est différents types de gares, mais j'ai pas mal de gares aussi totalement modées. Comme celle-là. Ou bien d'autres. D'ailleurs, celle-là, elle est sympathique. C'est une gare allemande, mais elle reste sympathique. On a Railway Station, celle-là aussi est sympa. Et puis après, bon, celle-là, c'est purement une petite station d'intercité, en gros. C'est vraiment la station pure et dure. Mais sachant que je serais peut-être pas passé la ligne par la gare principale. Du coup, bah, je vous laisse, je vais vous faire un petit timelapse. Petit timelapse donc de la construction, je pense que je vais galérer un peu, donc je vous mettrai quelques petits bouts, etc. Allez, on se retrouve tout de suite.
Et voilà cela de retour. Bah écoutez, c'est ni plus ni moins quoi. C'est une première ligne simple. Donc la station finalement je l'ai placée là. D'ailleurs je vais la relier à la route tout de suite. Voilà. Alors du coup donc je me suis débrouillé. Donc j'ai un petit mode qui fait les caténaires au milieu. En fait c'est pas mal mais pour tout le temps. En fait il aurait fallu un réglage qui permette de choisir entre au milieu ou voilà. Du coup donc on a cette petite gare ici qui est très sympathique que j'adore donc celle que je vous avais montré c'est simplement c'est la gare en fait de typiquement pour les RER. Donc on a du 160 mètres pour les quais et on va oui d'abord créer la ligne. On se met dans un coin, on va créer la ligne donc de Belfort ici à Montbéliard ici présent. On va la mettre en bleu, c'est pas mal. Et la ligne on va l'appeler bah Belfort. À chaque fois je me fais avoir, c'est incroyable. Belfort Montbéliard. Non, on va mettre l'accent quand même. Montbéliard. J'ai pas fait de faute, tiens, je me fais engueuler. Bonjour. Donc maintenant qu'on a notre ligne, on va aller dans le dépôt de train ici présent. Elle est très courte pour l'instant. Donc on va mettre deux trains, je pense. Ce qui est bien, c'est que les trains devraient se réguler à peu près. Unité multiple. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a celle-ci qui est assez intéressante. Sinon, on va voir ce qu'on peut trouver. Ouais, et wagon. Je pense pas qu'on va trouver notre bonheur. Donc je pense qu'on va prendre les unités multiples. Parce que ça, vous voyez, c'est plus pour du un peu plus long. Pas pour du comme ça. Du coup, donc, ça fait combien? 104 mètres. Bah écoutez, c'est pas mal. On va faire ça, on va faire dupliquer. J'ai dit pour l'instant on en mettait deux. Et du coup Belfort Montbéliard. Et du coup on va pouvoir regarder notre premier petit train. Bon forcément voilà. Il est très très beau. C'est donc un RER. Un RER qu'on trouve en région parisienne encore maintenant. Donc s'il est pas vieux quoi. Sur les RER, sur les lignes. Enfin le type de RER parce que ça a changé évidemment. Ils sont plus de la même couleur je crois. Sur le RER B, il me semble. Donc on le voit petit là qui arrive en gare. C'est assez stylé. C'est. Voilà, moi j'aime bien. Moi j'aime plutôt bien. Ça rend assez bien. Les portes qui s'ouvrent, ça c'est vraiment magnifique. Et là, hop, les portes. Tiens, je vous laisserai après, je vous montrerai un peu le son. Et comme ça, de cette façon. De cette façon, je vais vous offrir un petit spectacle parce que les bruitages sont aussi magnifiques. Bon, voilà, petit départ de train avec le petit coup de klaxon juste avant de partir. On a aussi moyen de faire ça. Voilà, donc pas mal de choses. Je suis simplement pour fermer la fenêtre, pour rentrer vraiment dans la peau du train. Là, ici, les caténaires sont mieux, ok. Enfin voilà, Transporteur c'est franchement un beau jeu et donc comme vous pouvez le voir, ils se sont pas mal régulés déjà, mais ils vont continuer de se réguler pour tomber pile 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 poil à même distance l'un de l'autre à chaque fois. Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. De la gare donc, leur vitesse max n'est pas atteinte puisque nous sommes sur des rails à 120 km/h et que je pense que leur vitesse max est au-dessus des 120 km/h. On va aller voir ça tout de suite. Leur vitesse maximum est de 140 km/h, donc on est 20 km/h en dessous. Mais pour l'instant on va commencer avec des petits rails comme ça. Écoutez, je sais pas trop à combien de temps de vidéo on sera, mais ça m'étonnerait qu'on soit très haut. Donc ce que je vous propose, c'est que on va prolonger à Clerval. Et on se laissera une fois qu'on aura prolongé jusqu'à Clerval. Et je vous laisserai peut-être avec une ou deux cinématiques, voilà, qui seront ma foi sympathiques. Allez, on se retrouve après le petit timelapse de la création de la ligne jusqu'à Clerval. Thank you.
juste après, donc le petit timelapse. Je sais pas trop combien de temps il a duré, mais voilà. Et donc on a donc ajouté un nouveau tronçon à donc notre petite ligne RER. Et donc bah maintenant c'est au tout tour, donc il va falloir ajouter à cette ligne. Il va falloir ajouter à cette ligne le nouvel arrêt. Donc on fait ça, on fait plus. Voilà, Clerval. Et puis on repasse par mon Béliard, histoire que comme ça il fasse pas pour rien le retour. Il s'arrête aussi à mon Béliard au retour. Du coup, donc voilà, du coup en fait on va pouvoir la renommer, et on va plus la renommer par le nom de ville, parce que sinon ça va pas rentrer, on va la renommer RER. Hein. Voilà. Donc ce sera le premier RER de notre petite ville, comme on pourrait l'appeler. Et donc, pour ce fait, pour fêter cet agrandissement, eh bien déjà on va ajouter un nouveau train. Un nouveau train à la ligne. Voilà, donc on va le laisser sortir, on va mettre en x3. Donc il y a les deux autres qui circulent. Voilà, allez, il ouvre ses portes. Il y a un passager, c'est magique. Évidemment qu'il n'y a personne pour l'instant. Et ça, on résorbera donc le problème juste après. Arrive en gare, il ouvre les portes. Là, il attend pas mal parce que... C'est triste. Après, plus tard, vous verrez. Il y aura un grand attrait. Parce que ça passe quand même beaucoup par la route, quoi. Il y aura un grand attrait et ça passera peut-être un peu plus par la voie ferrée. Ah, petite sauvegarde automatique, pas de nouveau véhicule. Quelques petites images pseudo-cinématiques. Donc de circulation des trains avec les bruitages au maximum que je peux. Enfin voilà. Salut. Et à la prochaine. Et salut tout le monde.